Ah putain, mais oui! Parce qu'à l'habitude je le fais. Normalement c'est bon là. D'habitude je le fais avec le Stream Deck, mais en fait là ça m'a fait chier. Enfin, je l'ai pas allumé donc. Oui, effectivement. Parce que là j'ai juste cliqué sur la scène en OBS et en fait j'avais fait une macro sur le Stream Deck pour mettre le son et l'image en même temps. Donc ouais, c'est normal. Bon, bah du coup, je recommence. Bah écoute, bienvenue mon petit random. Hein. Je me fais plus chier à faire un bonjour global parce qu'en général il n'y a que toi donc pas trop se faire chier. J'étais en train de dire que. Bah tu plaisantais pas hein, avec ton flingue. Enfin, ton lapin avec un flingue et ton lion avec un gun. Là-haut, là. Je me sens cerné, effectivement. Bon alors on en était où? On avait explosé le deuxième élu, il reste le troisième. Je sais pas où est-ce qu'on peut voir un résumé des élus. Je sais pas du tout. Ah bah si, bah voilà. Donc on a éclaté l'assassin. On a éclaté le chasseur. Bon, je sais pas, moi, tu sais, je vois un lion qui gueule dans un micro. Moi je cherche pas trop, hein, tu sais. Tu me mets bien des lapins avec des flingues, alors bon, des lions avec des micros, moi ça me parle pas plus, hein, tu sais. Donc là, il est bon, et donc il reste lui, le sorcier. Sachant qu'il va avoir des pouvoirs psy. Peut-être que je prenne des templiers, mais j'aime pas les templiers. Les explosions infligent plus de dégâts à cet élu. Alors, voleur d'âme, regain de la santé lorsqu'un ennemi proche subit des dégâts. Oh, ça c'est pas cool. Révèle les unités dissimulées, peut appeler des prêtres d'Advent et chance de riposter contre les tirs manqués. Ah. Ok. Alors ensuite on a quoi? On a Jean-Francis Robert Junior qui va être formé dans 2 jours, un entraînement psy, des autopsies, ravitaillement dans 6 jours. Alors j'en étais où? Qu'est-ce que je voulais faire? Est-ce que je voulais pas faire ça? Alliage extraterrestre. J'en ai pas des masses. Et 10 jours, ça fait un peu chier, c'est un peu long. Projet Avatar, on est plutôt tranquille, on a de l'avance. Je vais faire l'épave extraterrestre, après je finirai de construire le relais radio. Je contacterai l'Afrique de l'Ouest pour défoncer le bâtiment secret d'Advent. Scientifique, ressources. J'ai plus d'enseignement par contre. On va déjà finir ça. Hein. Ah! Ah, une mission de la résistance, peut-être une mission VIP, peut-être moyen de récupérer un soldat qui est en prison. Suspense. Ah, Tonton Snekos! Ah putain! Une mission pour libérer Tonton Snekos. D'ailleurs, c'est assez con parce qu'il y a 2 jours, je lui ai dit que j'allais le laisser crever dans sa prison. Et que même si les aliens me paieraient pour le récupérer, je leur dirais non. Récupérer Tonton Snekos. Alors sans vouloir jouer l'enfoiré, c'est pas forcément Tonton Snekos qui m'intéresse, même si il est quand même bien gradé. C'est un commandant, colonel, commandant, je sais plus quoi. Mais c'est surtout son matos. Si on peut récupérer son matos, ça m'intéresserait beaucoup. Alors par contre, il a, bon bah évidemment, un Andromède. Hein. Je pense que là, on est suffisamment avancé dans la partie pour avoir un Andromède tout le temps. Dans chaque mission. Bon, ça me fait un peu chier, je ne le cache pas. Bon, il n'y en a que 7, ça va. Dans la mission de l'élu, il y en avait 14, donc bon, 7, ça va. Par contre, le sorcier peut se ramener, là, ça... Fait chier, putain, j'ai débarrassé 2 continents d'un élu, mais il faut que je me retrouve à faire une... Eh oui, ce n'est pas pour toi. Il a fallu que je me retrouve à faire une mission dans un endroit où il y a encore l'élu. Bon, récupérer 69 de renseignements, hein, c'est toujours bon à prendre. Ah bref, faut qu'on y arrive, hein, c'est pas non plus gagné. Et bon, là, il y a pas mal de monde qui récupère de ses blessures, donc je pense qu'il y a moyen. Bon, on dira rien à Snekos, hein, quand il aura fini ses vacances romantiques, là, avec Champagne et le Figaro Magazine,
laissera regarder les rediffs pour qu'il ait peut-être la bonne nouvelle d'avoir été récupéré. Oui, j'avais besoin de d'acheter... Est-ce que j'ai du fric? Non, j'ai pas... Ah mais non, je sais, non. Non, en fait, c'est pas un problème du fric, c'est un problème de recherche. J'ai pas fini les recherches. Alors, sergent. Putain, on n'a pas un rancher qui est plus calé que sergent. Ah, il y a encore du monde qui est KO, hein, putain. Oh la vache. Ah ouais, sergent, sergent, sergent. Oh, ça va être d'une difficulté inabsolue. Pas absolue. Oh putain, ça va piquer. J'hésite à prendre un templier, parce que le templier fait plus de dégâts contre l'élu. Donc si cet enculé se pointe, ça serait bien de pouvoir lui faire un max de dégâts. Je peux prendre le robot sinon. Ah bah non, je l'ai perdu. Ah oui, putain, je l'ai pas reconstruit. Comment on construit un spark? Je pourrais peut-être fabriquer un spark. J'en avais pas reconstruit un déjà. Non. Ça va être compliqué hein, parce que les mecs ils sont vraiment vraiment pas gradés les bordels hein. Ça va être tendu hein. Ah, contre l'Andromède là Oh là, ça va être une mission difficile hein. Est-ce qu'on laisserait pas Monsieur 22000 crever en prison? Ah, sans vouloir la jouer enfoiré, mais... Non, je déconne, on va la tenter quand même, la mission, mais enfin bon... Bah t'as bien raison. Et moi, il me reste une petite... Alors pas de petite billard, parce que bon, une billard tout seul, c'est quand même un peu moins drôle, mais il me reste une petite monster machin chose, là. Si on arrive à récupérer Monsieur 22000, je pense que j'irai la chercher pour fêter ça dignement. Munition et griffes, chance de bonus, critique. Ouais, pourquoi pas. Après, munitions anti-blindage me plaisent bien. Toi, tu vas prendre le fusil de la mort. Pistolet à rayon. Attends. On est d'accord, hein. 5, 7, ouais. Une grenade, pourquoi pas. Si tu prenais. Munition griffe. Je sais plus, dis-moi random, chez qui j'avais foutu la. La munition anti-perforante. Une fois je l'ai mis sur le ranger et on avait dit que c'était pas forcément le plus adapté je crois. Un caporal. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Un caporal ça... Ouais putain ça a rien du tout quoi. Est-ce qu'il a... Après c'est un major, est-ce qu'il peut tirer? Est-ce qu'il a la capacité Non, il l'a pas. Parce que là je pourrais faire l'inverse, mettre le... L'AP sur le sniper et mettre la munition griffe. Non parce que là, je sais pas si t'as suivi, mais on a du sergent, du major,
du caporal et du sergent, quoi. Le seul un peu qui pèse dans le game, c'est elle, quoi. Les autres, c'est des débutants, quoi. J'ai personne d'autre. Les autres, ils sont blessés, démoralisés. Ah, ça va piquer sa mère quand même un peu, hein. Alors par contre, est-ce que c'est l'évolution du canon à fragments ? Non, c'est le fusil de base en fait, celui-là. C'est même pas l'espèce de fusil à pompe amélioré. C'est l'évolution du fusil magnétique, mais pas du canon à fragments. Je crois que j'ai pas débloqué l'arme spé du Ranger. Ah, c'est lamentable. Fumigène. Ah, par contre, là j'ai du matos intéressant. Alors, tir manqué, chance du coup critique, taille du chargeur. Taille du chargeur, ça pourrait être bien à mettre sur un fusil de sniper, bah justement quand le mec peut tirer de la faire un tir de zone. Non, c'est pas ça, c'est amélioration. Taille du chargeur augmentée. Ouais, comme ça, s'il y a 6 ennemis dans la même zone et que les 6 bougent, je pourrais canarder ouais, bien comme il faut. Est-ce que je lui mettrais pas ça aussi? Ça serait bien pour un mec qui finit. Parce que s'il tire. Enfin, en général, le sniper, j'essaye de faire des tirs qui tuent en un coup. Plus 4, il faudrait que je mette ça sur une classe. Donc, je me sers pour achever des mecs. Mais je vois pas trop, quoi. Sinon, lui, qu'il a une arme déjà améliorée. Je pourrais peut-être lui mettre... Ah, attends. Chance de coup critique. Dommage que j'ai pas le fusil à pompe amélioré. Parce que de près, t'as vachement de chance de coup critique. Mais avec ça, est-ce que c'est... Est-ce que c'est cohérent? Alors là, je le mettrais plutôt sur un fusil à pompe. Ah, j'ai deux rangers. Ouais, genre sur un canon à fragments, ça serait peut-être mieux. Enfin, la version améliorée que je n'ai pas encore. Déjà, on va changer de couleur. Ah, la mission s'avère compliquée. Hein. Toujours pas de médecin. Putain, Galkin, il avait pas fini sa formation. Ah putain, il lui reste 7 heures. Ah l'enfoiré. Alors je pourrais tenter de faire passer le temps sans prendre la mission. Mais il y a des chances qu'elle saute en fait entre temps, donc... je vais pas laisser passer. Avant que je mette un autre spécialiste. Major. Ouais, je vais peut-être plutôt mettre un autre spécialiste à qui je vais donner le truc de soin. Predator, fusil plasmique. La grenade fumigène. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme grenade ? Grenade flash, ouais. Grenade flash, faudrait que je la prenne. Ah, mais t'as la grenade fumigène aussi, toi, donc non. Le jack, je pense jamais à m'en servir.
Et l'avantage c'est que si on arrive à foutre le jack dans la gueule du mec, quand on a fini en fait ça l'élimine, donc on peut le faire sur des ennemis Ouais, on peut tenter. Le problème c'est qu'avec 11 points de vie, si je le mets devant, il se prend un tir, il est mort quoi. Oh là là. Et il me faut donc quelqu'un pour le fumigène. On va dire que lui, hein, il va remplacer le médecin. La munition pour empoisonner. J'ai donné à personne la munition pour empoisonner. On va donner à toi, tant pis, on n'aura pas la bouboule. Si on a besoin de faire du repérage, d'ailleurs je pense pas à le faire assez souvent. Et si on a besoin de se sonder, je le ferai avec le rover directeur. Bon bah j'ai une équipe quand même, c'est pas au taquet hein, niveau équipement et niveau grade là. C'est pas des mecs qui ont une expérience folle. Ce qui me fait chier c'est l'Andromède en fait, les autres ça va, ça me dérange pas trop, mais l'Andromède il me fait paniquer. Hein. Si j'arrive à le déclencher sans les autres groupes quoi. En espérant qu'ils soient pas escortés de. Qu'ils soient pas trop escortés de sales cons. Prions ensemble. Escouade parée au déploiement. Si on peut ramener monsieur 22000 avec nous, récupérer son stuff. Je sais pas si on le récupère, si on le récupère inconscient et faut le transporter sur les épaules, ce qui dans ce cas va être casse-burne, ou si quand on le fait sortir de sa prison, on peut le jouer. Advent détient un VIP qui participe aux efforts de la résistance. Et le porte-parole nous a demandé de tenter une opération. Je suis curieux de savoir comment ça va se passer. Il y aura beaucoup de forces ennemies sur le site. Et les extraterrestres ont envoyé des unités aériennes qui empêcheront l'oiseau de feu de décoller. Sécuriser la zone. Ah, faut éliminer tous les contacts. Ok. Au moins, normalement, il n'y a pas besoin de courir pour aller s'extraire. Donc, on pourra prendre son temps. Allez, c'est parti. Voilà, il n'y a pas de compte à rebours. La position du VIP est confirmée. Rejoignez le rendez-vous et neutralisez tous les ennemis. 22000. Ah, quoique, si, s'il y a ça, peut-être qu'il y aura un compte à rebours. Ah, putain, si, merde. Ah, je pensais pas. Vu qu'il disait qu'il fallait éliminer les ennemis, je pensais pas qu'on serait obligé de tracer. Bon, bah voilà, on va tenter avec mes gros noobs, là. Putain. I'm on it. Criant. Quoi, criant? Ah, merde, putain. Il y avait un civil. Putain, premier mouvement, première boulette, quoi, sans déconner. Ah, c'est juste pas possible. Ah, j'avoue que sur ce coup-là, je l'ai tellement pas vu venir. Bon, bah... Putain. On peut pas se planquer derrière le panneau, là? Aucun problème. Toi, tu peux pas te mettre là, mais tu vas te mettre à côté de ton pote. Sauvage. Putain, le seul avantage qu'on avait, je l'ai perdu comme un gros boulet, quoi. Alors, est-ce que lui, je le laisserai pas... Je vais le laisser comme ça, avec un peu de chance, si je déclenche des groupes. Il pourra faire de la défense. Je crois en plus que lui, là... Ouais, non, il a rien. Putain, c'est un major, quoi. J'ai un sniper qui est bien gradé, et si on le déplace pas et qu'on le met en surveillance autour ce tour-là, le tour suivant, il a un bonus en dégâts critiques et en visée, donc c'est quand même assez cool. Et... Wow, 24 tours, allez, ça devrait le faire. Oh non, putain, lui qui se ramène. Approchez.
Putain, mais dans le genre, j'ai pas de bol niveau timing, je me pose là quand même, hein, sans déconner. Chance de ripenser quand on retire manqué, peut appeler des prêtres, révéler les unités dissimulées. Bon, j'y suis bu à cause d'un civil, donc c'est pas bien grave. Regarde de la santé lorsqu'un ennemi proche, ça va être chiant aussi. Hein. Bah, on le connaît pas, on l'a jamais vu lui. C'est le dernier qu'on a explosé. 30 points de vie. Bon, ça va, il est pas. Vu qu'on vient de le découvrir, il est pas encore trop violent, il a qu'un point d'armure. Voilà qui rend la mission plus dangereuse. Ah, merci, merci. C'est... Quelle information utile. Ok. On n'est pas trop loin du Snekos. Enfin, on est loin, mais la sortie est pas loin du Snekos. Donc, il y a peut-être quand même moyen qu'on puisse se le récupérer sans trop de mal. On va essayer de taper. Chelou, toi t'es quoi? Caporal? Non, t'es major. Et l'autre, j'imagine qu'il est major aussi. Ah non, elle, c'est elle qui est gradée. Alors, est-ce qu'avec mon. Le major, je peux envoyer. Protocole de scan. Peut-être dû faire ça avant. Ah, j'ai pas fait gaffe si ça mettait fin au tour. Ah merde, j'aurais dû me déplacer avant. Oh putain. D'ailleurs, si j'avais fait ça au début, j'aurais pas déclenché les civils. J'aurais dû me déplacer avant. Ah, faut que je me concentre là, sinon ça va être de la merde. Enfin, ça va être la merde. Ah, je te vois. Enfin, je te vois. Je te vois pas trop. Ah, je suis obligé de me déplacer, là je l'aurai pas. À moins qu'il bouge. Je vais rester là en vigilance. Ah non, ça a pas mis fin au tour en fait. Protocole de scan, ça dit que ça met fin au tour, mais en fait non. Ça m'a pas mis fin au tour. Donc on va te mettre là. Ah, il va me retarder l'élu quoi, ça c'est chiant. L'élu sur les missions chronométrées. Bon, j'ai un peu triché en début de partie, j'ai pris des chronos qui soient un peu plus conciliants, compréhensifs. Allez, ouvre tout le monde en Overwatch. Allez, venez. Rapprochez-vous, ça m'arrangerait. Oui, encore un peu. Oui, parfait. Oh, 10 de dégâts. Ah, je comptais sur quoi, Snipos, là. ACEM advance, avancé forcément. Ça, c'est la belle embuscade comme on aime. Ouais, par contre, des tirs à 75%, les gars, faut arrêter de les foirer quand même. Je vais pas vous jeter la pierre, mais c'est un peu moisi ça. Oh, munitions AP. Ah, il y en a un qui est au tapis. Dommage qu'elle ait pas fait ça sur la CEM. Parce que là, ça sent la grenade dans les chicots, ça. Mal, dégâts d'armure pété, 2 tirs à 48. Ils ratent des tirs à 74 et 75. Et ils arrivent à passer des tirs à 50% de chance. Oh putain, qu'est-ce qu'il a fait l'enculé. Surprise. Ah, y'a pas à dire, hein, la hauteur ça aide quand même vachement bien à viser. Ses subordonnés d'être aussi insignifiante pour moi que pour vous. Rupture spectrale. Oh là, qu'est-ce que c'est encore que cette connerie. Vous ferez un sacrifice parfait pour les anciens. Ah bah ça, ouais, rupture spectrale, description, rupture spectrale. Bravo. Bravo, ça m'aide vachement. J'ai bien envie de tirer dessus. Est-ce que ça va pas exploser ou quelque chose comme ça? Bon, alors déjà le Snipos. Pourrais-je tenter un œil de lynx à mon avis? 9-12.
moins un point. J'ai envie de le tenter, mais je suis pas sûr que ça passe par contre en un tir. Toi, t'as la munition AP, hein, c'est ça, on est d'accord. Ouais, t'as la munition AP. Donc tu pourrais, par exemple... Non, 68, non, ça va être compliqué. À moins que je te déplace, si je te fous ici. Ah, par contre, elle aurait contourné, elle peut contourner l'autre tête de cul qui est là-haut. En fait, non, c'est lui qui... Non, c'est lui de base, en fait, qui est... Pourquoi c'est vert, le protocole de traquage? Bon, est-ce que ça vaut le coup de tenter... J'ai bien envie de bourriner, en fait, et de tout déblayer. Je pourrais déglinguer lui avec Jock Junior et utiliser le Ranger pour éclater lui. Puisqu'il est bien caché, je pense pas qu'il se prenne des... Je pense pas qu'il se prenne des tirs, donc ces deux-là, c'est réglé. Alors après, il nous reste... Alors, le Snipos... J'avoue que 100% de chance de réussite, c'est quand même pas mal, mais c'est pas sûr que... Ouais, non, 6-8 par contre, ouais, c'est vraiment pourri au niveau des dégâts. Il faudrait que je le tente en unité de Lynx. Au pire, il me resterait 3 unités pour finir. Ouais, franchement, ça devrait le faire, hein. Sans lui, je peux pas le contourner dans tous les cas. Ouais, je pourrais le finir avec lui. Lui, il est super loin. Je sais pas comment je pourrais faire pour me... Si je peux me rapprocher, mais en me mettant là. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Putain, je le contourne et j'ai que 68% de chance de toucher. Un petit peu décevant, ça, mon bon... La bonne dame. Ah, maintenant, il y a lui. Elle pourrait tirer dessus, et dans ce cas-là, je pourrais utiliser mon ranger pour... je vais le foutre là. Ah, oui, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Mais par contre, si je tire avec elle, je pourrais plus détraquer ensuite l'autre. Bon, on va le tenter comme ça. C'est du tir à 100% donc. Ah oui, ça pète. Oui, ça pète bien. Bon, bah. On va bouger. Criant. Ah oui, c'est le civil, bon, rien à foutre. Je tenterai bien avec lui un œil de lynx quand même, hein. Je pense que ça se tente. Ah, peut-être le lui que j'aurais dû mettre la munition AP. Ah oh, bah non, c'est bon, un critique. Punition céleste. Ah oui, c'est vrai que lui, s'il tire en hauteur, ça m'utilise qu'un seul point d'action. Bon, du coup, ce qui me sert pas forcément à grand chose parce que bah, je peux pas tirer un autre coup. Je peux à la rigueur peut-être me déplacer. Faire un tir de vigilance au pistolet. Ouais, je sais pas. On verra tout à l'heure ce qui se passe. Alors, 93. 67. J'ai personne d'autre. 70. Ouais, ça a chier quand même. Ah, et dommage qu'elle ait 56. Ou alors je peux lui faire un protocole de combat s'il lui reste quelques points de vie ensuite. Ah oui, mais zut, si je fais ça, je vais toujours me déplacer, donc non. Bon, déjà, on va se débarrasser de lui. Hein. Hostile target down. Pour chaque enfant des anciens disparus, l'humanité le paiera. Ça va, il me reste 3 unités.
Allez, à découvert, un petit critique. Non, esquive. Enculé. Faudrait que je l'avance là. Ouais, dans tous les cas, je l'aurais pas. Non, je l'aurais pas. 56, j'aime pas. Hein. J'aime pas du tout 56, c'est vraiment trop nul. Et bon, s'il y a une chance. Ouais, ouais, c'était risqué. Hein. 56, pour moi, c'est trop risqué sur mes standards. Mais ouais, ça passe. Là, j'en ai eu 3. Et il y en avait 7, hein, c'est ça. Donc il en reste 4. On va se faire derrière un couvert lourd. Viens par là. Si l'élu pouvait me foutre un peu la paix. Bientôt là. Ouais, je m'en doute. On va recharger tout le monde. Enfin, on va faire recharger tout le monde. Avant le prochain tour, histoire que tout le monde soit prêt. Back online. Oh oui. Voilà, recharger, 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 recharger et recharger. Et tout le monde en Overwatch. Si l'élu se pointe. Ça serait bien qu'il se pointe quand je suis en Overwatch. Comme ça, je vais bénéficier de 6 tours d'un coup. Bah ouais, bon, évidemment, fallait pas rêver. Moving to position. Il se passe sans rien. Tout de suite. Fait Valentine, faudrait que je la foute. Bon, c'est une gradée, mais vu qu'elle a pas mal de points de vie, faudrait que je la mette plutôt devant. Ah, il y a un truc à pirater. Oh, 100%. Pour gagner en précision. Bon, à 100%, hein, franchement, ça se tente. Oh Django, putain ça faisait un bail, salut. La dernière fois que je t'ai vu c'était sur du DCS, dis donc ouais. Ouais c'est que pendant 3 tours mais bon. Pour moi ça veut le faire un petit peu d'XP. C'est toujours ça de prix. Ci provo. Troppo facile. Alors le snipos, j'ai bien envie de le laisser en haut encore. On va les mettre tous l'un à côté de l'autre, histoire que comme ça, s'il y a une grenade, je me la mange bien dans les dents. Attends, on va te foutre là. Ouais, 20 tours, franchement, je suis large, je vais essayer d'y aller tranquillou. Il est là-haut, hein, il est lui. Ouais, j'y joue depuis une quinzaine de jours, hein, c'est assez récent. Je viens tout juste de passer le niveau 10 en 70 heures de jeu. Là où dans un jeu normal, genre une aventure solo, tu l'aurais déjà fini 2 fois. Là t'as l'impression d'avoir fini le tuto en ayant accès au marché, c'est assez impressionnant. Bon après c'est cool hein, c'est vrai que c'est sympa. Bon, j'ai hâte qu'ils implémentent l'inertie parce que là les mecs ils jouent un Counter-Strike en strafant devant toi à 5 mètres en canardant. Donc je m'attendais vraiment à un jeu plus posé en fait, que tout le monde vantait le côté hardcore, simu, etc. Et finalement j'étais un peu déçu par contre que les mecs, j'en vois aucun qui lean, je vois personne accroupi, enfin les mecs voilà ils foncent sur toi la mitrailleuse et puis ils déchirent. Ah, par contre, je suis en train de rater mes tirs et je suis pas trop concentré en plus sur ce qui se passe là. Mais non, sinon, c'est vrai que les bastons sont pas mal, les armes, ouais, c'est assez indécent tout ce qu'on peut faire avec. La planque et tout, c'est pas mal. Bah, de l'aide en fait, là où je galère, c'est surtout pour faire les missions où faut looter des trucs, trouver en raid quoi.
Genre, il y a un gilet pare-balles de merde blanc, tu sais, le M3 là que je dois trouver pour une quête. Je dois trouver, je sais plus quoi, des croutons pour des quêtes. En fait, là où je galère le plus, c'est pour finir les quêtes. Je trouve pas le matos trouvé en raid que je suis censé récupérer. Bon, attends, faut que je me concentre un peu parce que là, j'essaie de sauver Monsieur 22000 que j'ai perdu, qui est emprisonné. Ouais, bah après, si vous êtes niveau 80, ça va être ni drôle ni vous, ni pour vous ni pour moi, quoi. Donc là, tu vois, je joue avec des mecs à peu près de mon niveau parce que tu vois, on est dans le même délire. Jouer avec des mecs qui sont niveau 50, je le fais de temps en temps, mais clairement, j'ai pas le niveau, quoi. Ils flinguent tout le monde, moi, je les suis comme un petit toutou. Et concrètement, bah c'est pas rigolo, quoi. Alors, effectivement, j'ai plus de chances de m'en sortir, je loot des trucs de ouf, etc. Mais bah, d'un point de vue fun, c'est pas... Voilà, voilà. Bah, si tu joues tous les soirs, tu dois quand même être plus que niveau 10 que moi. T'es niveau combien? Attends, faut que je me concentre, hein, sans déconner, parce que là... Bon, allez, je peux le faire péter un peu partout. Je pense qu'il faudrait que je le foute à l'abri. J'ai pas fait gaffe au rayon d'explosion. Quoi qu'il ait ça, ici il était là. Non, attends, il était où? Est-ce qu'il aurait pas explosé sur les 6 cases autour? Enfin, les 8. Parce que si je me mets là, je tire dessus, j'ai peur d'être. Ah, mais c'est que les 8 cases, ça me paraît bizarre. Parce que là, du coup, si je le mets là et je tire dessus, y a moyen qu'il me fasse pas de dégâts, mais j'ai peur de prendre le risque. Bon, sinon, je vais me mettre là pour tirer dessus, hein. On va rester prudent. Ouais, 1000 heures de jeu, ça va, c'est quand même. T'as déjà fait un wipe ou deux, quoi, donc. Mais sinon oui, pourquoi pas, dans l'idée, j'ai rien contre jouer avec d'autres gens, hein, mais c'est vrai que voilà, quand les mecs ils me disent qu'ils ont 1000 heures, je me dis bon déjà il y a un fossé, tu vois. Oui mon surnom c'est Marteau, ouais. Bah ce qui était très drôle, c'est que dans mon premier perso, bah celui que j'ai perdu il y a une partie ou deux, il s'appelait Baby Boom, je crois, un truc comme ça, donc c'était assez drôle en fait. Donc, mais là, ouais, marteau, bon. Je le changerai sinon, hein, on peut le changer le surnom. Bon, attends, faut que je me concentre là, sinon il va y avoir des morts et j'ai déjà perdu trop de monde, c'est juste pas possible. Imaginez qu'on fasse la mission et qu'on n'arrive pas à récupérer Monsieur 22000. Mais en fait, non mais tu sais, quand je stream pas du DCS ou du farming, en fait, en général, j'ai personne, j'ai aucun spectateur, tu vois. Les seuls spectateurs que j'ai, c'est bah, Random, Snake, Galkin, toi de temps en temps, et c'est tout, tu vois, c'est des gens que je connais au final. Donc là, pour une fois que j'ai quelqu'un d'autre que Random ou Snake, ou tu sais, qui parle, du coup, j'ai envie de discuter. Mais malheureusement, c'est... Bon, là, il faut que je me concentre pour de vrai. Donc, tu vois, je suis un peu emmerdé. J'aimerais discuter, mais en même temps, il faut pas trop que je discute. Bon, on va sauver Monsieur 22000. Après, quand ça sera la partie stratégique, on pourra se détendre. Oh, ça y est. Ça y est, Monsieur Random, ça y est. Il est pas content. Bon, qu'est-ce qu'il va nous faire l'élu là? Mon pouvoir balayera le champ de bataille. Bah, du moment que tu t'approches pas, moi ça me va. On se rapproche de Monsieur 22000. On est pas loin, hein. Le problème c'est que je sais qu'il y a un Andromède et l'Andromède il va me faire paniquer. L'Andromède c'est vraiment une unité de merde. Par contre, pourquoi il se déclenche pas? Ça tombe, ça se trouve, il est juste derrière. Il est devant la prison de Monsieur 22000. Ah. Les habitants des villes étaient déjà endoctrinés. Mais qui sait ce qu'ils peuvent bien leur mettre dans le crâne pour s'amuser. D'accord, pourquoi il m'a dit ça? Il doit y avoir un truc dans le bâtiment.
Je sais pas c'est quoi. Je pourrais peut-être faire une... Je vais faire un protocole de scan si je déclenche pas... Si je déclenche personne. Ça me permettrait de voir au moins jusque devant chez Monsieur 22000 si c'est dégagé. Ok, des civils, je m'en fous. Putain, mais ils sont où les ennemis? Ouais, il a l'air debout, Monsieur 22000. Ah, par contre, il a plus ses armes. Ah, c'est monsieur. Ce qui m'embête avec monsieur 22000, c'est qu'il avait des putains d'armes, j'aimerais bien. Pistolet. Ça marche. Le snipos. On va le faire avancer. Et toi, on va te mettre. On va te mettre là. On va vraiment y aller tranquillement. Pas de pression. Vigilance pour tout le monde. Affirmative, je couvre la zone. Je vous sacrifierai en l'honneur des anciens. Pour l'instant, il est pas trop casse-burne, hein. Mis à part m'envoyer des petits péons, ça va. Il est pas trop relou. Je m'attendais à pire. Par où on rentre? Ouais, je vais pouvoir casser la fenêtre. Ah, par contre, il est à l'étage, monsieur 22000? Ou il est au rez-de-chaussée? Non, il n'y a pas d'étage. Ça ressemble pas à une prison, en fait, ici. Si, il y a un étage. Ah, putain, oui, il est à l'étage, monsieur 22000. Ah, merde. Il faudrait que je passe par ici. Ou alors que je passe à l'intérieur et que je monte. Putain, il fait chier. Pourquoi il est à l'étage? Ça n'arrange pas mes affaires. On va tenter le truc risqué de le faire avancer jusqu'ici. C'est pas super secure. Aucun problème. La pression c'est dans le verre. En poche en ce moment pour les pressions avec les barres fermées, c'est pas évident. Hein. J'ai rencontré mes nouveaux voisins, ils m'ont dit ah, faut qu'on aille se boire un verre à l'occasion. Ouais, quand les bars seront ouverts. Ça c'est quand même pas évident pour faire connaissance avec les bars fermés. Hein. Faire avancer là. Je pourrais pas. Attends, elle est où la porte là? Je comprends pas comment c'est foutu. Il y a un escalier là. Mais est-ce qu'il y a on accède par où à l'escalier? Ah bah attends, il y a peut-être une gouttière. Bah oui, je suis con, il y a une gouttière pour monter. Peut-être encore plus simple. Ouais, une tireuse, ouais, c'est clair. Bah ils en vendent dans les grandes distrib, une espèce de gros truc à une canne réfrigéré dans lequel tu fous tes fûts de 5 litres. Allez, viens te la raconter toi. Ah, 24%, ouais, je peux pas t'en vouloir mon gars. 24%, c'était compliqué. Les anciens m'ont choisi comme ils vous ont choisi, commandant. Nous étions destinés à les servir, à porter leur vision dans ce monde et au-delà. Venez, laissez-vous reconquérir. C'est le sorcier des anciens. Après là. Après nos rapports, il serait presque aussi dangereux qu'eux en matière de capacité psionique. Ah. J'ai le soutien des serviteurs des anciens. Bon, c'est embêtant, mais s'il y a que... Faudrait juste pas que je me déplace pas trop. Ouais, 64, t'aurais pu quand même. 72, franchement, t'aurais dû là. Foiré. Alors, faut juste que je me déplace pas trop de façon à pas attirer l'Andromède. Sonné. Ah, enculé. Un de nos soldats est sonné. Il faut qu'on le rétablisse. Ce qui est chiant, c'est qu'il va me faire perdre du temps en fait là.
Ah oui, si je le rétablis pas, l'élu va se barrer avec. Donc non, c'est bon, j'ai déjà perdu... j'ai déjà deux personnes emprisonnées. 56, hein, c'est pas génial. 82, ça se tente. Mais ils sont griffes. Ah, ça, c'est bon, ça. 46, non. Marteau. Ah, sauvage, qu'est-ce que tu peux nous faire? Ah, putain, ils sont à couvert, hein. C'est pas... C'est pas terrible. Alors, je vais envoyer qui pour soigner... Sauver lui. Elle a combien de points de vie? Elle a 13 points de vie. Ouais. Ouais, l'avantage du lance-patate, c'est que je peux éclater lui et en même temps faire un trou. Oui, c'est vrai que, effectivement. D'ailleurs, dans le tuto, c'est ce qu'ils disent, hein, de balancer une grenade ou quelque chose pour faire péter un mur et passer, mais j'y pense pas en fait. Je m'en sers d'un point de vue tactique pour faire tomber les ennemis quand ils sont à l'étage, comme ça ils se prennent des points de chute en même temps. Mais ouais, je pense pas à faire ça pour me faire des entrées. Alors, par contre, là, ouais, si je balance un truc, si je peux péter son couvert. Ça permettra d'avoir une meilleure visée. Ok, bon, t'es désorienté, mais au moins. Je me demandais si vous tenteriez de sauver votre allié. Ah, ce qui est bien, c'est que je peux tirer c'est quand même. Très courageux. Alors, voyons voir la portée. Qu'est-ce qu'on a comme portée? Ah, c'est pas mal, hein. Là, si je fais ça, je lui pète son couvert. Ah, j'avoue que ça me plaît bien là. Parce que je pense que le prêtre qui a 16 de points de vie, vu que je l'ai contourné là, il aurait pu les sièges, donc il devrait être à découvert. C'est peut-être pas mal. Oh bah tiens, critique. C'est vachement bien hein, là, le pouvoir avoir des critiques avec des grenades. Ah, l'enculé, il s'est mis dans sa bulle de merde, là. Enfoiré. 75, c'est pas mal. 52, c'est à chier. 12, c'est à chier. Bon, en même temps, je peux pas lui en vouloir. Il est désorienté, donc il perd 20, quoi. 80, et elle avait 75. Alors, on va tenter le 80. 40% de chance de coup critique. Oh non, mais sans déconner, 80. Vous êtes pas censé rater d'y tirer à 80, putain. Sinon, est-ce qu'on pourrait pas... Non, lance-roquette, on peut pas. Un autre patate sur la gueule. Non, ça passera pas. Protocole de combat... Je l'ai eu ou pas? Ah bah non, du coup il est dans sa bulle de merde. Je peux pas l'achever quand il est dans sa bulle. Non mais les gars, faut faire un effort là quand même. Putain, des tirs à 85, ah, ça fait chier hein. Ah, pourquoi t'as un bonus sur lui là? T'es dosé orienté, mais pourquoi t'as un bonus? Ou alors c'est lui qui a un malus? Ouais, c'est bizarre. Ah, ça me dit, ah si, ok, parce que lui est contourné. D'accord, mais pourquoi il était pas contourné sur les autres? Alors, si je me mets là, est-ce que je peux toucher quelque chose? Oh, l'Andromède est là. Oh putain. Alors, si l'Andromède se ramène en étant que l'élu, là ça va être la merde. Là, ça va être la merde. Ah, si je me mets là, oui, je peux contourner. Dans ce cas-là, celui-là sera... Bon, on va tenter ça. Ouais, non, pitié, s'il vous plaît, pas l'Andromède. Là, désolé, mais c'est juste pas possible, quoi. Oh, putain, mais c'est pas vrai. Mais vous avez la merde dans les yeux, les gars. Hein. Dans les deux gars, j'ai une chance sur deux de foirer.
Mais si j'arrive à l'avoir lui, je peux peut-être l'éclater le prêtre. Oui, 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 mais oui, enfin, mais bon, quand même, quoi. Ça a foiré, tu vois. Le tir a foiré. Moi, je m'en fous du responsable. Ouais, 52, c'était compliqué. Ouais. J'ai voulu le tenter, mais c'est peut-être pas la meilleure idée. Là, je vais m'en prendre plein la gueule, par contre. Ah, l'Andromède est pas loin derrière, putain de merde. Monsieur 22000, j'arrive, monsieur 22000. Ah, qui c'est qui va essayer de contrôler? Ah, il y arrive en plus, l'enculé. Ça, c'est emmerdant. Avoir un allié contre toi, ça, c'est chiant. Oh, oh, les gars, non, faut arrêter là. Oh, putain, bah j'en ai trois qui sont... Super, bah voilà, j'en ai trois qui sont bloqués là, trois qui peuvent pas jouer. Super. Oh, ça pue du cul déjà. Je pourrais pas avoir une mission où ça se passe bien. Putain, puis je peux tirer que sur mes potes. Le sniper qui sert à rien. Pourquoi je peux pas l'avoir ? Alors lui il est tellement bien planqué que ça va être compliqué. Faut que j'arrive à abattre lui pour récupérer elle ou lui, enfin bon bref, le soldat. Et je peux pas avancer sinon je déclenche l'autre. Pourquoi j'ai pas accès? J'ai peut-être pas de vision, j'ai peut-être pas de ligne de vue sur lui. Ah putain. Putain, dès que tu commences à avoir des soldats blessés, morts, capturés ou quoi que ce soit dans la partie, là ça devient compliqué. Parce que là au prochain tour, c'est sur moi qu'ils vont tirer. Mais putain, mais ils voient personne d'autre, hein, sérieusement les gars. Si je me mets là, est-ce que je pourrais balancer la grenade par là? Il y a peut-être moyen. Ah, il me reste un sniper qui sert à rien. Il me reste ouais, un sniper et deux grenadiers. Ça va être compliqué là, bordel. Alors non, ça c'est mon pote, ça c'est mon pote. 57, 28 et 24. Oh bah enfin, tout va bien. Ah, est-ce que je pourrais pas vaporiser? Ah, je pourrais vaporiser ça. Après une grenade, ça fait 4, 7. Ça, ça fait 3, 4. Ça fait moins de dégâts, mais ça a quand même une... une zone un peu plus étendue. Je vous prépare une petite surprise. Ah, je pense pas que ça suffise à casser le... Je vais dire le lock, mais à casser le lien... le lien psychique, là, mais... Non, ça suffira pas. Ah, monsieur 22000. Ah putain, j'ai buté, j'ai touché monsieur 22000. Confirmé, le VIP vous suit. Regagnez le point d'extraction. Ah, et du coup ça a déclenché. Non, monsieur 22000, sans déconner. Ah putain. Putain de merde. Monsieur 22000, il a déclenché le dernier groupe d'ennemis quoi. Il a pas récupéré ses armes. Y'a pas moyen de... Bah non, évidemment, hein, y'a pas moyen de l'appeler où on veut.
Ouais, c'est un traître à sa patrie, hein, mais sérieux. Hein. Ah, je peux essayer de taper l'élu. Le problème, c'est que ça va pas m'aider pour le contrôle mental. Oh, ça c'était bon ça. Beau subterfuge, commandant. Ah, l'Andromède, il va me casser les couilles, hein. Je veux pas. Et le problème, c'est que je peux pas avoir lui là. Il faut absolument que j'arrive à défoncer lui, mais je peux pas en fait. Là, j'ai aucun endroit. Ah si, là, je peux le contourner. Alors, si j'arrive à aller là et à le défoncer, je n'aurai plus qu'un gars qui sera sous 70. Ah, 70, ça va être la... ça va être compliqué. Je fais 6 suites de dégâts. Par contre, j'ai une chance de... j'ai pas le choix, hein, de toute façon, il faut que je le tente. Faudrait que j'arrive à le tuer. Si j'arrive à le tuer... mais non, évidemment, raté. Bah non, ça aurait été trop beau. C'est quand t'es dans la merde, t'as besoin d'un miracle qui n'arrive jamais, forcément. Putain, alors là, ils vont être au moins 8 à tirer. Parce que là-bas, ils sont 3... eux ils sont 3 plus les deux gars. 6, ouais, ils sont 8. Vous savez, je possiblement 8. Ah, oh, puis le titre m'a blindage aux potes, quoi. Ah là là, putain. Là, ils ont 8 chances de me tirer dessus. Donc là, franchement. Nom de Dieu. Il aurait peut-être besoin d'aide. Putain d'enculé, 10 de dégâts quoi, fils les de pute. Des anciens harcèleront. Puis lui récupère de la vie, bah ouais, bah vas-y, fais comme tu veux. Putain. Admirez. Ah, il va l'achever. Je sens qu'il va achever mon... ah, putain. Ah bah, au revoir le Jock Junior. Ma position est vulnérable. Ça devient un peu étouffant par ici. Ah bah oui, bah on voit des renforts. Bah bien sûr, y a pas assez de monde là, putain. Nous détectons un transport ennemi en route vers votre position. Venez, votre destin est de mourir. Putain, ah c'est pas possible. Putain, un élu, un Andromède, des renforts, contrôle mental, des mecs en stase. Bon, il me reste... ok, donc il me reste que deux grenadiers en fait sur ce tour là. Mon sniper il est dans les choux, eux sont contrôlés mentalement, d'accord, bon bah c'est parfait, il me reste deux gus que je peux contrôler pour en flinguer, je sais pas, il devait être au moins 6. Putain, puis lui c'est mis bien, niveau bouclier ça va, hein. 15 plus 13, non mais tranquille quoi. Bon bah ça va être encore un échec, hein. J'ai sauvé monsieur 22 000, mais à quel prix? Tu veux que je fasse quoi avec deux pauvres grenadiers, quoi? Sérieux? En plus, tiens, il y en a un qui est en vigilance. Ah, bah, c'est cet enculé qui est en vigilance. Putain, je sais même pas quoi faire. Là, c'est tellement la merde. Je pense qu'il va falloir recommencer une campagne. J'étais bien parti, franchement, les premières heures, c'était bien. Ah, fait tomber l'élu, il a 21 points de vie plus 5 avec deux grenadiers, je tomberai jamais, je le tomberai jamais. Hein. Prochain tour, les deux qui sont contrôlés vont m'en foutre plein le cul, je vais perdre mes deux grenadiers et puis la mission elle est pliée. Hein. Là j'arrive, lui je peux pas le déplacer sinon il se prend un tir de vigilance. À moins peut-être de désactiver la vigilance si je lui tire dessus.
Mais bon. Ou alors je pète lui. Je fais un kill sûr en tapant lui. Bon. Je vais essayer de faire tomber la vigilance de ce mec là. De l'Andromède de merde. Ah, c'est ça qui est chiant des fois dans XCOM, c'est que quand tu déclenches tout d'un coup, que t'as l'élu qui se pointe, qu'en plus t'as des renforts, après c'est impossible de s'en sortir quoi, au bout d'un moment. Bon, moi j'ai supprimé la vigilance, mais bon, lui il va crever au prochain tour, hein, clairement. J'ai sauvé un mec, pour sauver Monsieur 22 000, j'ai sacrifié 6 personnes. C'est... Bon, voilà, hein, je pense pas que le jeu en valait la chandelle, mais enfin bon. Je balance une roquette. 100 compter l'équipement en plus. Ah ouais, des renforts, vas-y, fais-toi plaisir. Ah, le jeu il cherche pas à savoir s'il a déjà trop d'unités sur le terrain, lui il s'en bat les couilles quoi. Il te dit que quand tu récupères ton VIP, hop, t'as du monde, il s'en fout. Hein. Ah, en plus, c'est un purificateur avec un lance-flamme. Oh putain. Bon, là, c'est foiré. Hein. Je veux pas être pessimiste, mais là, il me reste que deux qui sont en état de se battre. Il va me les descendre sans aucun scrupule. Bon bah, Jock le Tox est mort, Jock le Tox Junior est mort aussi. Et j'ai plus personne en état de se battre. Franchement, je veux pas balancer, mais c'est à cause de Monsieur 22 000. Hein. Si cet enfoiré. Enfin, en fait, le jeu m'a filé le contrôle du VIP. Alors qu'il était juste à côté d'un groupe d'ennemis que j'avais pas découvert et bah ça me fout dans la merde quoi. They're all over me. Vous devriez remercier les anciens pour leur accord avec ce qui reste de votre civilisation. Putain, 32 dégâts. Je sais même pas c'est quoi la plus grosse menace quoi, parce que l'Andromède c'est un ouf, mais je peux même pas le tomber en fait. Grenade flash, je sais même pas si ça lui fait quelque chose. Est-ce que je peux flasher l'Andromède et l'élu? Bah non, évidemment, faut qu'il soit à une case près pour pas que je puisse le faire. Même si je tombe l'élu, hein, l'Andromède il va me défoncer, hein. C'est juste pas possible. L'Andromède c'est une machine de guerre. Hein. Alors je pourrais me mettre ici, je serais à couvert et j'aurais l'élu à revers. On va le tenter. Franchement, s'il n'y avait pas eu le deuxième groupe que putain de Snake a déclenché, franchement, on était bien. Hein. Mais là, Monsieur Manumi, il a fait de la merde, hein. Je suis désolé, mais... Bon, vas-y, feu patate. Hein. Tu parles d'une binouze pour fêter ça, putain. Monsieur 22 000, il aura 6 morts sur la conscience. Hein. Je suis empoisonné, il me reste 3 points de vie. A mon avis, ça pue du cul. Hein. Comment ça, je l'ai même pas contourné? Tu te fous de ma gueule? Oh, t'es sérieux? Tu me dis que là, je l'ai pas contourné? Putain, le jeu qui pardonne rien. Oh, piraté, enfoiré. Oups. Oh putain. Je dois rattraper ce faux pas.
Ouais, je peux finir de tomber l'élu, mais ça... Bah remarque, je peux même pas tirer sur l'élu, parce que vu qu'il est... Ouais, non, mais j'avoue, Jock le Tux de père en fils... Alors lui, comme il est désorienté, il peut pas faire grand chose, il peut pas aller loin. Je suis même pas sûr de pouvoir descendre l'élu en fait. De toute façon, avec un point de vie au prochain tour, t'es mort, hein, donc... Je vais tenter l'élu. Après, ça baisse, donc... Joke Junior Junior. Bah, en même temps, Joke Junior était tellement jeune que je suis même pas sûr qu'il ait le temps de faire un enfant, quoi. Putain... Pourtant, hey, j'ai avancé doucement, j'ai fait attention de ne pas déclencher trop de groupes. Je suis resté safe, quoi. Enfin, j'ai vraiment fait gaffe, mais putain, j'ai déclenché mon VIP que je devais sauver, qui a lui déclenché un groupe. C'est vraiment abusé. Vous m'avez surpassé, commandant, mais je ne baisserai pas les bras pour transmettre. Là, s'il n'y avait pas le groupe de l'Andromède, j'aurais pu finir le dernier le mec d'Advent là-bas. Ah, attends. Ne s'attendait certainement pas à une telle résistance de notre part. Ah, ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Bon, je récupère un peu des mecs, mais là, le prochain tour, il faut que j'arrive à descendre l'Andromède d'un coup, quoi. Y a pas à tortiller. Pour l'instant, on a perdu qu'une personne, hein. Enfin bon, avec 3 points de vie, je donne pas trop cher de la peau de mon grenadier. Putain, puis en plus avec les renforts... Bon bah voilà, hein, c'était bien. Je sens que je vais streamer un autre jeu au bout d'un moment. Ou alors faut que je recommence une campagne. Mais bon, j'ai passé un paquet d'heures sur cette campagne. Hein. Putain, je suis dégoûté. Hein. J'avais fini le jeu en solo, j'avais pas trop galéré. Mais là, je me suis tapé une mission de merde sur mission de merde. Se fait massacrer. Nous devons sécuriser la cible et sortir nos hommes de là au plus vite. Non, mais la cible elle est sécurisée, c'est bon. Hein. Après, faut que je cours à la zone d'extraction pour m'extraire, mais c'est juste pas possible. Il y a trop de monde. Bon alors il me reste combien de personnes? Il me reste 3. Très drôle random, très drôle. Pourquoi t'es... Il est encore contrôlé par un... Ah ouais, putain, il est encore contrôlé par un ennemi, lui. Ah, puis il s'est bien planqué, hein. Il s'est mis bien loin pour être sûr que je puisse pas le déglinguer. Ah, ça m'a fait plaisir de finir une deuxième fois le jeu. Mais là, là, faut que je recommence. Puis l'air de rien, j'ai regardé, hein, en upload sur YouTube, j'ai mis au moins 8 vidéos, au minimum de... 2-3 heures, il y en a une de 6. Donc on doit bien avoir une vingtaine d'heures de jeu. À foutre à la poubelle, c'est un peu con. Hein. Ah merde, non, c'est pas ça que je voulais. Je voulais appuyer sur tab pour faire passer les cibles et je me suis planté. Bon, à la limite, on pourrait même faire un tir au pistolet. Hein. Non, mais c'est le jeu en stream qui veut pas de moi. De toute façon, le stream ne veut pas de moi. Entre ma connexion qui m'a fait chier pendant des semaines. Salut Django! Ouais, à la prochaine. Oh, bah encore un mort. Et puis, bah ouais, écoute, je te ferai signe à l'occasion pour un Tarkov. Le karma ne veut pas que je sois sur Twitch, hein, de toute façon. Quand ma connexion est bonne,
Quoi? Pourquoi il a mis ça? Il est complètement con. Bon bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là de toute façon parce que... Parce que là je vois pas trop comment rattraper le délire hein, concrètement. Changer de jeu, bah je me suis remis sur Dead Rising, le tout premier. Ils ont fait un remake ou un portage, je sais plus trop, de Dead Rising. Et j'ai rejoué un peu tout à l'heure, quelques heures, et ça m'a bien fait rigoler. Je me suis dit que ça pourrait être marrant à faire en stream. Donc à rigueur, je pourrais streamer un peu dessus. Un vieux jeu auquel j'avais joué, qui était sorti sur Xbox, je sais plus, 360 je crois. C'était bien rigolo. Bon, après les autres étaient partis trop dans le n'importe quoi, donc j'avais un peu décroché. Mais le premier est quand même bien rigolo. Donc ouais, je pense que je vais peut-être streamer ça. Bon, de toute façon, je suis en train de me dire que... est-ce que c'est vraiment l'intérêt que je m'obstine à vouloir faire du stream? Parce que hormis du farming ou du DCS... Mais DCS, j'ai plus vraiment personne d'autre. Enfin, j'ai plus vraiment grand monde avec qui jouer, donc finalement, je l'ai désinstallé. Farming, c'est marrant, mais bon, évidemment, c'est un peu répétitif. Et dès que je fais d'autres jeux, en général, j'ai personne. Donc, je me dis, bon, si c'est pour faire du farming juste pour avoir des followers, c'est un peu con. Et les jeux qui m'intéressent vraiment, quand je les fais, ça intéresse personne. Donc, bon, je me dis, peut-être que. Ah ouais, bon. Bon, on va tenter, hein, si je me fais buter, de toute façon. Allez, vas-y, bute-moi, qu'on n'en parle plus, vas-y, achève-moi d'un coup dans le dos. Enfoiré. Ah non, il en reste un. Allez, on finit l'Andromède, enfin, on finit. Non mais raté, ouais, mais non, mais 95%. Non, je suis pas d'accord. Ah, ça sent le coup de poing dans les chicots là. Oulala. Bon bah voilà. Eh ben, c'était XCOM 2. Eh mais sur ma première partie, sur celle que j'ai fini, j'en ai pas chié autant. Là franchement j'ai vraiment enchaîné les merdes sur merde quoi. Insuffler la peur dans notre cœur. Leur victoire aujourd'hui. Surtout que je l'avais fini dans les mêmes conditions hein. Laisse le suspense à monsieur 22000 quand il regardera le rediff, il sera content de voir que je l'ai sauvé mais j'ai sacrifié 6 soldats pour y arriver, putain. Hey, quand je l'avais fini en solo, j'avais mis les mêmes paramètres, hein, le même niveau de difficulté. Cela prouve bien que les élus sont vulnérables et qu'on peut. J'avais les mêmes en homme de fer aussi. Trouver comment les abattre. Ah, j'étais bien parti sur la stratégie, franchement. Ah, il a un choix qu'il a récupéré ses armes. J'ai bien conscience que vous n'agissez pas dans des conditions idéales, commandant. Mais ouais, d'un point de vue. La résistance. Commandant. Ah, il me reste encore un peu de monde, mais putain, c'est des caporaux et des sergents, c'est nul, quoi. Si je les envoie en mission, ils vont se faire démolir. T'envoies des caporaux contre un Andromède, et il a causé la perte, ouais. Je ne mâche pas mes mots quand il s'agit des extraterrestres. Et les escarmoucheurs. Bah, je pourrais continuer de jouer pour vraiment me battre jusqu'à la fin, et puis pour que vraiment, si je rate, on voit la cinématique quand tu perds, etc. Mais est-ce que ça vaut le coup de s'acharner encore pendant 3-4 heures à galérer pour faire des missions que je vais forcément perdre? Parce que là, mes meilleurs soldats sont morts. Est-ce que ça vaut le coup de s'acharner pendant des heures et des heures, surtout en stream, tu vois, en solo, bon, ça peut être drôle. Mais en stream, déjà quand ça se passe bien, c'est pas ouf. Mais alors là, si je me fais chier à crever lentement, petit à petit. Ah, une arme lourde. Bah,
Bah écoute, un petit Dead Rising, ça peut être sympa, ouais. Il faudrait que, vu que je mets pas ma cam, il faudrait peut-être que je me mette une petite... un truc comme quoi je change de jeu, ou que tu sais que je suis en... Ah si, bah je peux mettre le truc de pause. Ouais, je vais mettre le truc en pause. Retourner au bureau. Bon, un petit Dead Rising, on va s'amuser à mettre des plots de travaux publics sur des zombies. On va se déguiser en jouet. Ouais, on va faire ce genre de truc. Ça va être rigolo.